Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Alors je vous retrouve aujourd'hui au potager où je suis en train de retaper un peu ma bordure pour que les chemins restent bien dans leurs limites. Et puis la surface dont je bénéficie reste également dans sa limite de son côté. Voilà, c'est quelque chose qui me paraît nécessaire à refaire chaque année. Donc une première année pour nous donc ici. Et alors que j'étais en train de regarder mes allées en copeaux, dans lesquelles 2 ou 3 petites adventices commencent à apparaître, j'étais en train de penser en même temps au désherbage un peu des allées au niveau du potager, et en particulier aux solutions dites naturelles, alors qui ne sont peut-être pas toujours aussi inoffensives qu'on voudrait bien le croire. Alors, dans mon cas, les allées ne sont pas minérales, mais en copeaux de bois, vous le savez, ce qui est très très intéressant. D'ailleurs, je constate des fructifications un peu aériennes de champignons, et puis on voit également pas mal de mycélium et autres ifs dans la strate inférieure, ce qui est vraiment très très bon signe quand on sait eh bien le service écologique rendu par cette cohorte de champignons. Donc en ce qui me concerne, ça va être très simple, je vais recharger ici cet hiver en copeaux, et puis ça restera propre. Vous voyez, j'ai une adventice ici devant moi, là. Voilà, bon, j'ai une petite plante comme ça de temps en temps, c'est vraiment pas grand chose. Globalement, le travail de maintien, je dirais non enherbé de nos allées, c'est plutôt bien effectué avec cette solution-là. Donc un intérêt secondaire néanmoins important, en plus du service rendu par les champignons dont je vous parlais à l'instant. Par contre, si vous possédez des allées de votre côté dans votre potager qui sont minéralisées, alors du gravier, un sol stabilisé, schiste ou je ne sais quel autre matériau, là la question peut se poser éventuellement du désherbage, si ces plantes sont jugées indésirables à ces endroits-là, il va falloir intervenir. Et alors la question se pose, de quelle manière est-ce qu'on va intervenir sur ces plantes? J'ai pu remarquer ces dernières semaines que des tas de messages communiqués en tout genre fleurissent, notamment sur les réseaux sociaux tels que Facebook, et assurent la promotion d'un certain nombre de solutions dites naturelles, comme le désherbage par exemple, avec une association de vinaigre blanc et de gros sel. Alors ça peut paraître tout à fait intéressant. Il est vrai que le vinaigre en lui-même, c'est quelque chose de naturel, c'est un acide acétique voilà, qu'on retrouve bien présent en des quantités infimes dans la nature. Le chlorure de sodium, autrement dit le sel, c'est la même chose, on le trouve bien évidemment présent dans la nature. Là où le problème peut se poser, c'est quand on introduit là-dedans la question de la concentration. Ces substances ne se retrouvent nulle part dans des concentrations telles que celles qu'on va appliquer pour nos opérations de désherbage, absolument nulle part. Certaines plantes vont apprécier le sel, on va parler alors de plantes halophytes, parfois même halophiles, dans le cas où le sel devient absolument nécessaire. Simplement, c'est pas le cas évidemment des végétaux qui sont dans votre potager, et les organismes de votre sol, en dessous de vos allées, eux ne le sont pas halophytes. Et la question se pose alors du rapport que vous souhaitez entretenir avec votre sol. On va souvent entendre « oui, mais c'est sur mes allées, c'est pas très grave, voilà, je peux mettre du désherbant, il n'y a pas de problème, en plus c'est naturel, ça va disparaître très vite ». Bon. Je pense pour ma part que le sol est à appréhender dans son ensemble, et en l'occurrence le sous-sol ici en dessous, dans les quelques centimètres sous mes copeaux de bois, m'importe tout autant que la qualité de sol que je retrouve dans mes parcelles. Il faut gérer votre espace, je pense, dans son ensemble, et si on considère comme moi que le sol c'est quelque chose de précieux, il faut absolument s'abstenir d'utiliser de telles substances. Le vinaigre, encore une fois, se dissout très bien et va rapidement être éliminé par lessivage. En revanche, le sel, lui, peut vraiment poser de gros problèmes. Voilà, alors il va sur les végétaux déjà voisins de votre allée, ce sel va être emporté par l'eau et ne va pas être retenu par les graviers ou ce genre de choses. J'ai déjà pu entendre ça, c'est tout à fait inexact, hein. Le sel se dissout dans l'eau et sera bien évidemment véhiculé avec cette eau. Ce sel en abondance dans l'eau va libérer des ions qui vont prendre la place des ions nutritifs, hein, pour vos plantes sur le complexe argilo-humique, et donc vos plantes vont se retrouver moins bien nourries et elles vont pouvoir souffrir d'un certain nombre de carences. En plus de ça, par des phénomènes de pression osmotique, le sol va être plus rétenteur en eau et vos plantes vont avoir du mal à venir chercher cette eau, et vous pourrez assister à des dessèchements également sur les végétaux. On connaît très bien les problèmes que les arbres rencontrent avec les sels de déneigement par exemple, hein, qui est une solution tout sauf écologique, hein. Parfois modérément efficace sur nos routes, et en plus de ça assez désastreuse sur le plan écologique. Alors vraiment, mon message sera le suivant: si vous souhaitez vraiment garder un écosystème vivant à l'échelle de toute votre parcelle, il est important de veiller également à ne pas empoisonner le sol ou le polluer, même sous vos surfaces minérales, puisque tout est connecté. Je vous rappelle que les champignons, là il est évident que les champignons ici qui sont dans le bois sous mes pieds ici, communiquent amplement avec les végétaux dans les parcelles voisines et avec les champignons qui sont dans l'allée suivante, etc., quoi. Tout ça, ça communique, hein, et il faut aborder vraiment l'espace dans son ensemble. Donc si vous voulez, comme moi, prendre soin de votre sol à l'échelle de toute votre parcelle, il faut absolument renoncer à l'emploi du sel dans de telles concentrations au niveau de votre sol, même sous les allées minéralisées, hein. Ça, c'est vraiment important. Là-dessous vivent des tas de bactéries, insectes, enfin arthropodes divers, les vers de terre, etc. D'accord, et vous allez clairement empoisonner toute cette vie avec l'emploi de sel et de vinaigre à haute dose. J'ajoute que l'efficacité en plus de ces substances-là est tout à fait modérée, puisque les parties aériennes à la limite vont souffrir. Si vous avez affaire à des plantes adventices vivaces, comme par exemple ce rumex, voilà, la feuille va, d'accord, péricliter. La souche, hein, racinaire, elle par contre sera en pleine forme et pourra de toute façon reproduire de nouveau, voilà, de nouvelles feuilles. C'est pas plus efficace que le désherbage thermique, hein, je dirais. Voilà, donc il faut aussi l'avoir en tête. Alors quelles sont les solutions? C'est bien beau de dire j'utilise pas ces produits-là, d'accord, mais je fais quoi dans mes allées? Ben, ces solutions, elles sont diverses, hein. D'abord la bonne vieille binette. Ça, c'est, voilà, à condition de s'y prendre à temps, ça marche très très bien. Le désherbage thermique dont je viens de parler au stade plantule, pourquoi pas? On fait des désherbeurs, je dirais, très faciles à transporter aujourd'hui. Bon, on reste dans la consommation d'une énergie fossile. Le gaz est une énergie fossile, et à ce titre-là, écologiquement, c'est peut-être pas forcément non plus soutenable à long terme. Bon, ça peut être une solution, néanmoins. Et il y a encore une autre solution à laquelle on pense peut-être pas forcément, c'est l'enherbement. C'est-à-dire que là où vous avez des adventices qui viennent se développer, mais venez renforcer cette couverture enherbée avec du gazon fleuri, des choses comme ça qui vont pouvoir se développer un petit peu et agrémenter, pourquoi pas, vos allées. Alors en guise de conclusion, je vais peut-être devancer un peu certains commentaires bienveillants qui pourraient suivre cette vidéo pour me parler du désherbage, l'eau chaude par exemple, l'eau de cuisson des pommes de terre, ce genre de choses. Je serais tenté de dire qu'on est finalement, on en est finalement au même point, hein. L'impact de les bouillantages comme ça de ce qui vit dans le sol, à un moment donné, voilà, il faut d'une manière globale, avant toute intervention de ce type, je pense, s'affranchir un peu du résultat immédiat en termes de désherbage, et puis penser un peu aux conséquences futures pour le sol. Tout cela, encore une fois, étant eh bien, guidé un petit peu par la relation que l'on souhaite entretenir avec ce sol. Voilà. Eh bien, merci à tous de m'avoir suivi cette fois encore et je vous retrouve très bientôt au Potager qui dit non. Potager qui va d'ailleurs fêter très bientôt sa première année d'existence. Hein. Fin novembre, ça fera un an tout juste voilà, qu'on aura lancé ce projet et qu'on aura partagé un peu nos expériences avec vous. Allez, ciao, ciao. Voilà, donc avec ce travail de rebordurage, on va dire, de l'allée qui jouxte le potager, eh bien j'ai une intervention réalisée sur ce gazon fleuri. J'arrache clairement les annuelles sèches, j'essaie de disperser un peu les graines en même temps sur le sol, et je conserve ce qui est vivace, et surtout ce qui est bisannuel, puisque ces plantes-là n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer encore cette année, ne le feront que l'année prochaine. Hein, développement de l'appareil végétatif cette année et floraison l'année prochaine.